Comment débloquer votre iPhone qui est bloqué sur le côté? Actuellement, voici un iPhone 15 Pro Max, voici un iPhone 14 Plus. Celui-ci, lorsque j'ai entré plusieurs mots de passe erronés, alors on dit iPhone indisponible. Ça peut être aussi le message désactivé ou encore c'est tout simplement verrouillé sur le mot de passe comme celui-ci. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence le tutoriel juste après le générique. Hello, like, subscribe. Si vous avez oublié le mot de passe de votre iPhone ou encore votre iPad, alors vous devez absolument suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser votre iPhone si vous avez oublié tout simplement son mot de passe comme celui-ci. Donc actuellement, je ne peux pas activer le téléphone, je ne peux rien faire avec le téléphone. On me demande le code et moi, je ne me rappelle plus du mot de passe. Donc si vous êtes dans cette même situation, alors vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si c'est la première fois que vous regardez ma tête, alors s'il vous plaît, abonnez-vous et touchez la cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et si vous êtes intéressé par une formation, parce que j'ai deux formations, la formation en bypass iCloud et aussi la formation en déblocage officiel pour tous les appareils qui sont bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud. Donc, vous pouvez tout simplement trouver le lien à la description de cette vidéo ou encore le lien qui s'affiche tout simplement là. Et là, vous allez pouvoir avoir cette formation-là. Elle va vraiment vous aider à devenir un pro dans le bypass iCloud ou encore dans le déblocage iCloud en général. Alors, cliquez sur le lien de la formation à la description de cette vidéo afin de profiter de cette formation. Ce que vous avez besoin pour réaliser ce tutoriel, c'est premièrement, vous avez besoin d'un PC. Ensuite, vous avez aussi besoin d'un câble et forcément un iPhone qui est bloqué sur le mot de passe. Et là, nous allons maintenant aller sur notre PC. Je vais vous montrer que ce soit un PC Windows ou alors macOS. Alors, il n'y a pas de souci. Donc, il vous faut juste un PC et votre câble et tout est joué. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous rencontrez n'importe quel problème durant le visionnage de cette vidéo, s'il vous plaît, vous me le dites dans les commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Donc, on commence ce tutoriel maintenant. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page. Ici, vous avez la possibilité de télécharger que vous soyez sur Windows ou alors sur macOS. Donc, cette application va vous permettre de régler tellement de problèmes sur vos différents appareils. Alors, on va cliquer ici sur téléchargement gratuit. Une fois l'application téléchargée, alors il va falloir installer notre application. Une fois l'application téléchargée et installée, donc voici l'interface de notre application. C'est une application plusieurs en un, notamment elle va nous permettre de déverrouiller les appareils, changer la localisation, transférer des messages, récupérer les données, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de sélectionner cette première option. Voilà l'interface de la nouvelle application. Donc on va désactiver le verrouillage de l'écran. Donc on va sélectionner notre iOS. Donc, on va cliquer sur iOS et voici l'interface de cette application-ci. Donc, c'est une application qui comprend encore d'autres applications et vraiment, c'est une dinguerie. Donc, on va sélectionner cette première option-ci. Maintenant, une fois ici, on va appuyer sur commencer. Ce qu'on va faire, on va connecter notre iPhone. Donc, premièrement, on va connecter notre iPhone et on va entrer en mode récupération en suivant les instructions de cette page. Si vous ne connaissez pas comment mettre votre iPhone en mode récupération, alors vous pouvez tout simplement regarder à la description de cette vidéo. Il y aura une autre vidéo qui va vous permettre de mettre votre iPhone en mode récupération. Donc on va tout simplement faire ceci. Comme le stipule l'application, on va maintenir le bouton si jusqu'à ce que ça sera en mode récupération. Voilà, notre iPhone est en mode de récupération. Donc, ce qu'on va maintenant faire, on a la possibilité d'appuyer ici pour démarrer, donc genre pour télécharger l'application. Mais si on veut télécharger par le navigateur, on peut sélectionner cette option-ci. Mais moi, j'ai déjà téléchargé le système, donc je vais tout simplement appuyer sur sélectionner ici. Une fois ici, je vais me rendre là où j'ai téléchargé et j'ai mis. Maintenant, je vais sélectionner le fichier. Ensuite, je vais appuyer sur ouvrir. Ici, on va appuyer sur déverrouiller maintenant. Entrez le mot de passe qui est 60 et on va appuyer sur déverrouiller. Maintenant, nous devons tout simplement patienter.
maintenant, notre iPhone va tout simplement redémarrer. Et voilà, maintenant, nous pouvons tout simplement activer notre iPhone. Voilà, comme vous pouvez voir, notre iPhone est tout opérationnel. Et si votre iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors cliquez sur cette vidéo pour pouvoir le débloquer. Donc, faire un bypass avec réseau et tout fonctionnel, que ce soit un iPhone 5S jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Alors, cette méthode va vous aider. Donc, si vous avez besoin d'une méthode qui permet de faire cela gratuitement, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Sans oublier, bien sûr, de dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'attends toujours vos commentaires. Merci.